tout moi-même, c'est vous. Tout ça vient, tout de moi, tout moi-même. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères bien-aimés, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie qui est la source et le sommet de notre vie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduisent à la vie éternelle. Amen. T'en prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 1er, versets 1 à 7. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils, qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l'esprit de sainteté, a établi dans sa puissance le Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelé. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prions dans le psaume 97 et nous répétons ensemble. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Mettons-nous debout pour acclamer la parole de Dieu. Ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, alléluia, joie pour les cieux de son nom, au moins. Alléluia, alléluia, joie pour les peuples d'aujourd'hui. Le Seigneur en soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 11, du verset 29 au verset 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressa en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront.
En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Toute puissance s'attache à ta droite. Sombre Seigneur, avec un ennemi, la création en tes mains tu pétris, et les montagnes murmurent ton nom. Alléluia, alléluia, joie pour les îles sans nombre. Alléluia, alléluia, joie pour les peuples d'aujourd'hui. Comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire. Première remarque pour nous faire, ce Marc Frémio, c'est que foule a grandi de façon considérable. Moun yo a vin pi plus chaque jour. Mais foule sa kap grandi, en majeure partie, c'est une foule de curieux. C'est des moun kap qui enquête du sensationnel. Son groupe kap cherché miracle, qui ouait, qui voulait ouait toujours. Mais ce n'est pas un groupe de croyants. Yo ap cherché sensation. Et Jésus pral parler pour lui dire que y a cherché des signes et que yo pas besoin de l'autre signe que le signe de Jonas. Signe de Jonas qui s'allie. D'abord, pas oublier que Jonas était poté un message de conversion à Ninive parce que Ninive yo t'a vivre des situations ou du moins yo t'a vivre dans le mal, méchanceté, donc yo t'a fait ça qui pas bon et bon Dieu t'a voyé Jonas poté un message de conversion pour yo et peuple ça t'a accueilli message de conversion ça. Jésus portait un message de conversion. Donc au lieu que moun yo accueilli message de conversion pour changer cœur yo, changer nom yo, changer la vie yo, mais plutôt y a marché des sensations, y a marché des miracles. Yo ouais, miracle, mais miracle que yo ouais yo, pas porter yo à la conversion, mais c'est chercher à chercher toujours. Yo ouais et on veut ouais encore. Donc Jésus parlait de signe de Jonas dans le sens que donc message de conversion hein, et c'est message ça que Jésus lui-même tout l'a porté. Jonas qui fait 3 jours dans ventre poisson, hein, Jésus pral gagner pour le faire 3 jours dans la mort et il pral gagner pour l'y lever bien vivant. Donc parole bon Dieu matin frère Maximio, lui exhorter nous ou bien lui inviter nous pour nous entrer dans une quête, mais quête que nous entrer là-dedans, ce n'est pas une quête à chercher le sensationnel, mais plutôt une quête pour nous rencontrer avec bon Dieu, pour nous enquêter vers la conversion permanente. Et c'est ça, Jésus, lui invite nous aujourd'hui à travers l'évangile. Ça. On nous continue la prière, bon Dieu, sem ak fremio, pour dans la vie nous, pour démarche nous, pour quête nous, yo se quête vers la rencontre avec Dieu. Pour démarche nous yo, c'est curiosité nous yo, c'est pas curiosité pour nous chercher sensation, mais c'est curiosité pour nous joindre la conversion, pour nous capables de gagner la vie et la vie en abondance. Amen. Sainte Vierge, ma mère, laisse-moi te contempler dans la douce lumière de ton cœur immaculé, dans la douce lumière de ton cœur immaculé.
pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Père céleste qui est Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous. Notre-Dame du Rosaire qui nous demandait de réciter le chapelet, priez pour nous. Notre-Dame du Rosaire qui nous demandait de nous corriger. Priez pour nous. Notre-Dame du Rosaire qui nous suppliait de nous repentir de nos péchés. Priez pour nous. Notre-Dame du Rosaire qui nous suppliait de ne plus offenser notre Seigneur. Priez pour nous. Notre-Dame du Rosaire qui nous demandait de prier pour sauver les pécheurs. Priez pour nous. Notre-Dame du Rosaire qui nous demandait de nous sacrifier pour sauver les pécheurs. Priez pour nous. Notre-Dame du Rosaire qui nous demandait de réparer pour les péchés commis contre votre cœur immaculé. Priez pour nous. Notre-Dame du Rosaire qui voulait amener tous vos enfants au ciel. Priez pour nous. Notre-Dame du Rosaire qui nous demandait de nous offrir à Dieu pour accepter toutes les souffrances qu'il enverra. Priez pour nous. Notre-Dame du Rosaire qui promettait d'être notre refuge et ne jamais nous abandonner. Priez pour nous. Notre-Dame du Rosaire qui nous promettait la paix. Priez pour nous. Notre-Dame du Rosaire qui nous avait promis le triomphe de votre cœur immaculé. Priez pour nous. Reine du très saint Rosaire. Priez pour nous. Reine de la paix. Donnez-nous la paix. Reine du clergé. Priez pour nous. Reine de la Sainte Église. Priez pour nous. Reine d'Haïti, priez pour Haïti. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde, exauce-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous puissions être dignes de ses promesses. Prions, accorde à tes fidèles, Seigneur notre Dieu, de bénéficier de la santé de l'âme et du corps, par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie toujours Vierge, délivre-nous des tristesses du temps présent et conduis-nous au bonheur éternel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. » C'est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, Monsieur Max Leroy, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, sur les personnes qui se confient à nos prières, sur Clara Régine Théodore et enfants, sur Bado Vanessa, sur les personnes qui célèbrent leur anniversaire de naissance, sur
Daniel Jean, Evelyne Nazaire, Jean Larèche, Katiana Célestin, Maël Chris Arly Plaisimont, Rachel Marie-Gérard Guillaume, Rosna Alcérest, Woumi Loréus, Roulan Loréus, Verda Exumé, Joannus, Woodley Roger, sur les bienfaiteurs et bienfaitrices de la paroisse, sur chacun et chacune de nous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oh, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Thank you.
Bénissez Dieu, vos serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison d'Alliance. Levez la main vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Bénissez Dieu, bénissez vos serviteurs d'Alliance, vous tous qui encore le Seigneur. Seigneur, Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine, par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors nous voulons souhaiter de joyeux anniversaire de naissance à ces personnes. Donc si quelqu'un qui a célébré l'anniversaire, est capable d'avancer. Nous souhaitons de joyeux anniversaire de naissance à Doris Michel, Daniel Jean, Evelyne Nazaire, Jean Larèche, Katiana Célestin, Maël Chris Arly Plaisimont, Rachel Marie Gérard Guillaume, Rosna Alcereste, Woumi Loreus, Roulan Loreus, Verda Exumé, Joannus, Woodley Roger. Joyeux anniversaire,
Esprit Saint, nous réunis ensemble dans nos hauts, nous demandons seulement pour guider nous, nous demandons pour venir habiter la caille nous, dans le cœur nous. Montrez-nous chemin côté pour nous marcher, montrez-nous qui gens pour nous suivre route là, nous faibles, nous ces pécheurs, pas quitter nous encourager des autres, pas quitter ignorance menez-nous. Nan mauvais chemin, hein? Pas quitter parti pris, influencer action nous yo. Fais nous joindre unité nous nan ou, pour nous ka voyager ensemble, nan route la vie qui pas jamb fini, hein? Sans nous pas jamb quitter chemin la vérité, ya, ak sa ki droite. Nous mande ou ça, ou même kap agi tout temps, nan l'histoire monde, tout côté sous la terre. Etant ou fait yon nan communion ak papa, ensemble ak petit la, pour tout temps guetant. Amen. Alors nous disons merci à chacun et chacune de vous. Merci à vous qui avez participé à cette célébration. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. À vous tous, sœurs et frères bien-aimés, bonne journée. Merci beaucoup. Mais le yasson est pour nos familles, jeunes solidarités.